première du côté de Lima et de Glazé. Cette nocturne, ça a été une très 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 bonne réussite pour le Vélo Club Île-France-Beaujolais. On va retrouver tout de suite Monsieur Guylain de Longevial, maire de Glazé, qui va nous donner cette première impression, cette nouveauté dans cette commune. Bah écoutez, très heureux d'avoir accueilli cette première édition de cette nocturne pour le Grand Prix du canton de Glazé. Impressionné par la qualité des participants, la puissance, alors qu'ils étaient confrontés à des conditions climatiques exceptionnelles en début de course, près de 30 degrés. Un parcours somme toute difficile et une belle course. Et très heureux que ce soit en plus un membre du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui l'emporte, Romain Guyot, pour cette première. Et donc, on peut d'ores et déjà donner rendez-vous pour la deuxième édition en 2018. La mairie de Lima également, avec Monsieur Deville, qui va nous donner ce départ qui a été fait du côté de la commune de Lima à 20h. Bah écoutez, comme l'a dit Monsieur le maire de Glazé, il y a des températures caniculaires, très difficiles pour les concurrents. On peut être qu'admiratif, évidemment. Encore une fois, je rappelle ce que je disais précédemment, très heureux d'être aussi partenaire de cette manifestation. On en parlait tout à l'heure, moi je trouvais ce format original. On a pu voir qu'il y avait aussi une réponse assez massive de spectateurs. Il me semble même, et je n'engagerai que moi, peut-être même des gens plus nombreux que sur les précédentes manifestations. Donc pour nous, un vrai succès. Président du Vélo Club Île-France-Beaujolais, Serge Barl, qui est ravi ce soir. Pourquoi ? Ben simple, la victoire à domicile, la victoire du côté glazé. C'est magnifique, Serge. Ah oui, complètement. En plus, je voulais vraiment remercier la mairie de Lima et la mairie de Glazé, parce que c'est vrai qu'on a inauguré cette année donc ce premier circuit, on en parlait beaucoup avec mon fils, et c'est vrai que je pense que c'est une très belle réussite. S'il avait fait un petit peu moins chaud, on aurait eu encore beaucoup plus de spectateurs, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne voulaient pas trop bouger par rapport à la chaleur, mais c'est un circuit qui est phénoménal. Vous savez qu'il y a quand même 1300 mètres de dénivelé sur la totalité de la course, c'est ce que m'ont dit les coureurs. Donc ce qui veut dire que c'est quand même énorme sur un critérium. Et en plus, ce qui m'a fait plaisir, ça m'a rappelé un petit peu mon jeune temps où j'adorais faire des critériums comme ça. Il y avait énormément de primes. Quand on entend dire des primes de 100 euros, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ça sur des courses. Donc ce qui veut dire que l'année prochaine, je pense qu'il y aura beaucoup plus de concurrents. Et en plus, on n'a pas eu de chance. On est rentré un petit peu en concurrence contre le critérium de Mâcon, qui était en Bourgogne et qu'on ne savait pas. Et autrement, on aurait eu beaucoup de Dijonnais, on aurait eu encore beaucoup plus de coureurs. Mais c'est vrai que nous, on est très contents que le petit Guillot et gagné, parce que ça fait déjà 2 semaines qu'il me disait qu'il voulait gagner, que lui il voulait pas faire les primes mais qu'il voulait faire la gagne, et il a réussi à la faire. Et je peux vous dire qu'il s'en est vu, parce qu'on avait un Clément Carizet en face de nous qui était quand même très très costaud. C'est un coureur élite qui marche très fort, qui veut passer professionnel dès l'année prochaine, et je peux vous dire qu'il les a fait quand même souffrir. Heureusement qu'on a un coureur d'expérience comme Laurent Évrard, qui lui connaît très bien le métier et qui lui disait un petit peu ce qu'il fallait faire et pas faire, parce qu'autrement ça aurait été un peu compliqué, je pense. Je suis très content, c'était une course qui s'est fait assez rapidement. Et puis on est sorti, on va dire, les leaders des équipes favorites, on est sorti. Et du coup, derrière, à mon avis, ça a temporisé. Et le temps que ça temporise, c'était trop tard. Et puis après, ça s'est fait à l'usure, hein, parce que c'est quand même une course assez dure. Donc je suis quand même très satisfait d'avoir gagné aujourd'hui. Surtout que j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que j'ai eu mon BTS. Oui. Je suis aujourd'hui, donc ça fait 2 gagnes dans le week-end déjà. Bon, donc ça va être une belle soirée pour toi ce soir. Ouais. Hein, il a gagné, il l'a eu. Bravo Romain, super, merci à toi.